L'alphabet anglais dispensé dans cet établissement primaire en chansons. La parade est toute trouvée ici pour intéresser les tout-petits à la troisième langue la plus parlée au monde. L'anglais n'est pas le seul module à faire son entrée dans le programme de certains établissements primaires et préscolaires. Les tout-petits, dont l'âge varie généralement entre 2 et 10 ans, sont aussi initiés à l'outil informatique. Un apprentissage précoce qui vaut son pesant d'or, selon les premiers responsables de ces établissements. Déjà au primaire, les enfants peuvent s'initier à l'anglais. Parce que de là, ils iront en sixième. En sixième, s'ils ont déjà quelques bribes d'anglais, ça leur posera moins de problèmes. À partir du CE, les CM vont déjà apprendre l'outil informatique. Parce que déjà, à notre ère-là, l'informatique est incontournable. L'anglais et l'informatique dès le bas âge, une idée tout aussi approuvée par élèves et parents d'élèves. Good morning, sir. My name is Grace Esther. L'anglais est important pour moi parce que l'anglais permet de s'exprimer. J'aime l'informatique parce que ça me permet à apprendre l'ordinateur. C'est vraiment très intéressant d'enseigner déjà au primaire l'anglais et l'informatique parce que de nos jours, on peut dire que c'est le monde est gouverné par les NTIC. Donc si c'est fait déjà au primaire, c'est une très bonne chose. Ces nouveaux venus dans le système éducatif scolaire n'étaient auparavant enseignés qu'à partir du collège. Reste maintenant à savoir si l'objectif visé par le corps enseignant en les insérant au préscolaire et au primaire sera atteint.